Re-chers amis, je suis Immi Sanzen, alors je viens de reprendre tout de suite. Bon alors vous le voyez que j'ai bougé l'ATH de action là-haut. L'idée elle est simple, elle est qu'en haut à droite elle cachait le petit F12. Ça va vous paraître débile mais ça peut être très gênant. Après j'aurais pu la mettre en bas, j'aurais pu la mettre en bas à droite, tout ça. J'en mettrais peut-être en bas en fait, ça cachera peut-être la matraque mais pas grand-chose. Donc ce sera peut-être ce que je vais faire. Donc voilà, mais pour l'instant je le laisse là. Et donc... Il me semblait avoir déverrouillé cette porte, non? NSF001. Mais donc on se retrouve, donc Immi Sanzen pour Immi Fox. Smash the State. Voilà! La porte. Ouais, c'est ça, serrure ouverte. Pourquoi est-ce que... Wouah, c'est pas grave. Bon. Allons-y. Ah! Je pensais qu'il serait mort, moi. Ok, je vais me servir de ma matraque électrique. Mais non, t'as rien vu. Mais non. T'as rien vu. Non, t'as rien vu. Tu vas surtout pas sonner l'alerte. Non. Ouais, il y a des conduits d'aération, mais c'est quand même galère après pour y arriver. Hein? Genre ça. Encore un SF-001, Smash the State, ok. Bon. Je crois qu'il y a du monde là où... Je pourrais bien détourner le chemin, tout ça, enfin prendre un autre chemin, mais le souci c'est que... il faudrait en fait utiliser beaucoup de passe-partout pour pouvoir libérer la porte, tout ça. Oh, ou alors y aller à la grenade, oui, c'est vrai. Oh, tant qu'y aller à la grenade, autant l'utiliser ici. J'aurais pas dû. Je suis con. Ok, c'est parti. Ah! Salut! Aïe! Non, je pensais pas... Ah! Bon, j'ai joué au con. Ok, il en reste un dernier. Merde! Alors vous voyez le fail dans toute sa splendeur. Bon. Mais c'est parce qu'il me semblait quand même que j'aurais été... Bon. Je vais la jouer différemment. Je vais poser une caisse de TNT. Ok, donc là-bas, normalement, j'ai ouvert. Dès que quelqu'un passe, en fait, je vais tirer dedans pour faire à la fois un mort. Normalement, il devrait bien y avoir quelqu'un qui ferait une ronde un bout d'un moment, non? Allez. Pourquoi vous êtes des bâtards comme ça là? Bon, c'est pas grave. Des bruits qui me donnent envie d'aller pisser. Allez. Des nouveaux bruits de pas. Allez. Putain, t'es sérieux? Je sais pas, je vais prendre le corps d'un de tes potes, je vais le jeter. Putain! Ça a sonné l'alarme! Je dois entendre des voix!
Ils sont drôles quand ils veulent. Bon, bah on y va alors. Hop. Ici, il y a un décodeur, d'accord. De la nourriture. Alors, vous me direz, ça a qu'une certaine résistance. Je vais sauvegarder. J'ai pas envie d'utiliser ma grenade pour ça, parce que les Oh, vous me direz, maintenant, j'ai un lance-roquette. Hein. C'est vrai que j'ai un lance-roquette, mais j'hésite. Ah, ça fait près le seul moyen de le péter, hein. Ça m'étonnerait que ma matraque suffise pour une porte à 60. Enfin, une porte qui ressemble à ça, en tout cas. Oh, un seul passe-partout, il me semblait qu'il en fallait au moins deux. Ouais, mais écoutez, je vais y aller au passe-partout, hein. C'est parti. Il ne m'a pas vu. Il est là, notre ami copain. Ok. Mais non, t'as rien vu. Smash the state. Quoi, c'est une blague? Oh là là. Bon, je vais désactiver cette caméra. Ouvrir la porte et faire en sorte que la mitrailleuse attaque les vilains. Donc ce sera fait. Je vais voir ce monsieur. Salut Gunther. Should not have left us to be surrounded. Risk is part of the job. I think you lucked out this time. Agent Navarra and I were ready to go in, but for no reason they said pull back. I do not retreat. Please give me a weapon and move out of the way. Bon, allez, vas-y, je te file mon flingue. As you wish. Take my pistol. That will be adequate. I will secure this level. You proceed up the stairs to the command center at the top. Sérieux, toi, de fermer? Mec? Viens ouvrir, s'il te plaît. Non, non, non. Putain! Putain, j'en ai marre. Tout ça parce que ce jeu est pourri. Non, bon d'accord, c'est pas vrai. Bah écoutez, y a plus qu'à tenter. Ça marche. Mais bon, je vous avoue que ça me fait chier d'avoir à faire ça juste parce que Gunther a décidé de fermer la porte, quoi. Parce que c'est quand même une roquette, c'est pas rien. Mais bon, bah, écoute. Allez, sauvegardons. Il me semble qu'il peut y avoir quelque chose à aller chercher là-bas, mais je suis pas certain. Alors, en ce qui concernera, voilà, les journaux, tout ça, ce sont vraiment pour la plupart des choses que je connais déjà. Donc c'est pour ça que je les regarderai seulement vite fait. Oh, ok, donc ça, c'est un numéro de compte. Ça me permet de hacker un compte bancaire. Mais donc, je disais, tout ce qui concerne, voilà, des journaux, des trucs d'information. En fait, je vais les regarder vite fait à chaque fois. Mais je vous laisse mettre pause pour les regarder si le background vous intéresse. Parce que voilà, il faut savoir que c'était vraiment très très intéressant. Après, le souci, c'est voilà que moi je connais déjà, c'est pour ça que je m'attarde pas dessus. Mais n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment très très intéressant. Ça permet vraiment de s'imprégner du monde et on sent vraiment voilà beaucoup de choses sur des manipulations, etc. Mais vous comprendrez si vous le faites. Je vais donc aller hacker ce compte. Ça, c'est un petit ATM pour retirer de l'argent. Note.
23-0-0-23 et 4-5-5-8. Voilà, hop. Et comme ça, je vais retirer 200 balles. Mon dieu. Je suis un grand hacker. Wait, pourquoi il y a un... Il est sérieux, Gunther, là? Il me dit, je vais m'occuper de cet étage, t'en fais pas. Là, petit con, va. Bon, je vais monter aller chercher le chef. Mais non, il n'y a personne. Vous m'avez pas vu. D'accord. Voilà. Comment s'occuper de manière non violente des ennemis? Le PS20 est l'arme la plus inutile du monde parce qu'en fait elle n'a qu'une seule balle et elle n'est pas capable de tuer quelqu'un. Allez hop. Donc là on a le chef. Ok hop. Ok mon gars, tu vas te rendre, ok? Sinon je t'assomme. Ok. So you think you know better than FEMA what to do with this month's ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people, and you can't do a damn thing about it. Mais non. Tell me about the shipment, and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Ask away. We already won this round. Where are you taking it? We're just giving ordinary people the same chance to survive as the bureaucrats in Washington. You'll have to unload New York because the choppers would spot you at sea. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population growth. Fais gaffe à ce que tu dis sur le gouvernement. I will pass on the orders to the troopers. Report back to base on the west side of the island. Mission complete. Ok. Donc j'ai réussi à mes missions, je suis plutôt fier de moi du coup. Nanananana. Hop, j'ai augmenté la précision de mon arbalète. They sent us in to pick up the pieces. Hop là, ouais. Des medkits, c'est très intéressant parce que franchement pour se soigner, c'est la vie. Résultat de la fouille. Oh, rien. Je sais pas pourquoi ils se sont obligés de le crier, tu sais. Donc il y avait un autre PS20 et un medkit, ok, bon. Mais écoutez, c'est génial. Bon, donc mon pistolet il est où? Il est là, ça va me permettre de le mettre en 3. On va remplacer le 6, le 8 et le 9, donc rien à faire là non plus. Ça je vais le jeter. Ok. Peut-être que si je fais 5... En fait, faudrait que je fasse genre 3, 4, 5 et 6. Voilà. Puis je vais en profiter pour me prendre une bière. Oula, ouais, non. C'est vrai que ça doit pas être très agréable pour vous, donc je vais pas reprendre. Bon. Donc avant d'aller faire mon rapport au QG, je vais tout d'abord faire un petit tour sur l'île. Enfin surtout à un endroit en fait, parce que ça me permettra de récupérer des choses, notamment une amélioration d'armes. Donc du coup voilà. Hein? Oui non ça ira ça. Vous voyez, ça c'est des gens que je me suis pas occupé, mais c'est les potes qui s'en sont occupés. Ah, par contre, ils les ont tués, ces bâtards. Je les ai tous assommés, moi. Je sais même pas si j'ai fait un seul mort.
Bon, à l'exception du mec qui s'est fait tuer par la mitrailleuse, c'est vrai. Là-bas, il y avait un décodeur. Là. Allez, hop. Hop. Ok. Hop là. C'est vrai. Ça permet d'augmenter la capacité de mon chargeur. Ok. Ça, donc un pointeur laser et une autre biocelle. Bon, ce jeu est très très sombre, hein, mais c'est voulu. Ok, c'est parti. Ok. Ouais, bien maintenant que j'ai dû faire un petit tour. Ah, et il y avait une caisse là-bas, mais. Il doit aussi y en avoir là-haut d'ailleurs, mais. C'est mon flemme d'y aller. Yop là! Ok, c'est des munitions. Le pointeur. Je vais mettre. Ouais, là-dessus. Je vais augmenter le chargeur, je verrai ça plus tard. Chargeur. L'arbalète, non, il n'y a pas besoin. Le flingue. Oh non plus, j'améliorerai un autre chargeur, peut-être là. Reste à savoir lequel. Ouais, je pense que ce sera du fusil d'assaut que je ferai. Mais ça, on le verra plus tard. Oui. Oui. Salut à vous, je suis porte-clés le plus sexy du monde. Bon. Bon allez, je vais ellipser le passage jusqu'au QG. Ça va prendre, allez, environ quelques secondes de toute façon. Ah, en plus je vais trop loin. C'est juste là. Bon bah j'ai pas besoin d'ellipser finalement. Parce que j'y suis déjà. Salut. Ouais, je m'en doute. Connard. Non. Oh, Paul. We've got the island secured. How did things look in the statue? The leader surrendered. Comme dans ton cul. So they were after Ambrosia. A month's supply for the East Coast. We think they've taken it back to the city. I didn't know UNATCO handled the Ambrosia distribution. Manderly will brief us shortly. UNATCO makes sure the limited supply of vaccine gets to government agencies and key industries. It's good to finally see some action. Yeah, well, pace yourself. You killed a lot of people tonight. Vas-y, j'ai tué personne. J'ai tué personne. Vas-y, j'ai envoyé des gens sur une tourelle et d'autres sur un robot, mais perso, j'ai tué personne. Oh là 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 là. Bon. Bon, cela dit, vous allez apprendre qu'il est de notoriété publique que le tout premier code de Deus Ex est une référence à Fahrenheit 451. Voilà. Alors de toute façon, ça changera peu de choses parce qu'il est écrit quelque part. Parce qu'il est écrit quelque part dans le QG que j'aurais pu y venir après. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant et que je l'ai pas fait la première fois que je suis venu. Donc 7com UNATCO 001. UNATCO. Et c'est là, c'est pour ça que j'avais fait l'erreur au début tout à l'heure. Ok, je vais ouvrir ça. Désactiver. Désactiver. Donc en ce qui concerne la serrure, en fait, apparemment, ça a été inversé dans ce patch de traduction. Donc bon. Là là. Bon. Bien, allons-y. Hop là, ça me fait des points bonus parce que je suis un explorateur. Hop là. C'est parti. Oui, une grenade IEM. Ouais, j'avoue, Gunther il pète les couilles, à cause de lui j'ai dû utiliser un lance-roquette. Ouais, j'avoue. Non. Allez hop, 7-8 et ensuite 4. Et puis tant qu'à faire, ouais, je vais manger Non, je mangerai pas. De toute façon, il y a des trucs de soins ici.
Pas de soucis. Hop là. Pim 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 pim. Wow! À travers les lunettes de soleil, truc de fou. Ils sont trop bien les scanners rétina du futur. Bon, on va aller faire mon rapport et ensuite on revient. Salut Janice. Tu permets? Good work out there, Mr. Denton. Mr. Mandalay said you handled yourself nicely. Welcome to UNATCO HQ. Our little family keeps getting bigger. Is Mr. Manderley available? Yes, go right in. By the way, your computer account is ready. Log in JCD, password Bionic Man. Ok, merci. You're going to make a mess. Night Killer et Jim Manderley. Ok. Salut Joseph, comment ça va? Attends, tu permets que je replace cette chaise? Attends. Bon, d'accord. Oui, le héros lui-même. Il est impressionnant, ce héros. D'accord. So the NSF took a shipment of the Ambrosia vaccine. Give me a chopper and a pilot and I'll handle it. I'm sure you could. Yes, indeed. But we're having your brother head up the recovery team. You'll work with Agent Anna Navarra. Why don't we meet when you've seen Jaime for a medical checkup and received your equipment from Samcar? D'accord. You'll be briefed at that time. Bah, à vos ordres alors. Bon. Eh bien, est-ce qu'il a un message? Non. Bon, alors. Je vais aller consulter mes mails. Et ensuite, bon, je vais vous dire un petit au revoir. Donc, JCD Bionic Man. Donc, salut Jésus. Donc je vais lire vite fait, moi personnellement, je vous laisse mettre pause si vous le voulez. Voilà. Hop. Voilà, donc je vais ouvrir ces petites caisses et je vous dis à bientôt mes amis. Donc c'était Imi Sanzen pour la chaîne Imi Fox. Et je vous souhaite un bon début pour l'UNATCO. Peace.